Bonjour à toutes et tous, ici TheSoussan, et comme promis, voici la suite de mon petit tuto sur le croisé. Donc comment bien jouer au niveau 60, cette dernière ligne droite vers le niveau 70. Donc faire un nouveau build, sachant que vers le niveau 60, le croisé il commence un peu à galérer niveau armure, recherche de vie, tout le bordel quoi. Et donc il va falloir un peu réadapter son stuff pour cette dernière ligne droite. C'est généralement au niveau 60, c'est le niveau, enfin en tout cas que moi c'est le niveau où je décide de faire vraiment sérieusement l'acte 5, parce que pour moi c'est vraiment la ligne droite. Alors au niveau du build, que vous pouvez voir que j'ai modifié depuis la dernière vidéo, alors en compétence primaire j'ai pris expiation avec moisson, donc votre régénération de vie augmente pour chaque ennemi touché par les chaînes, tout simplement parce que c'est une très bonne AE qui va passer entre les différents ennemis, et moisson tout simplement parce que... Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Donc moisson, tout simplement, parce que j'ai des petits problèmes au niveau régène de vie. Vous voyez, 3168. Pour 87 536 points de vie, je trouve que c'est pas encore vraiment optimal. Donc moisson va vous permettre de vous sortir des situations les plus chiantes. Secondaire coup de bouclier avec croix de bouclier, je l'ai gardé. Je vous fais une petite description. Donc coup de bouclier, ça permet de vous téléporter sur votre adversaire et de faire des boucliers en croix comme ça. C'est vraiment une technique très puissante. Alors en petit 1, j'ai mis loi de l'espoir avec cri d'espoir. C'est encore dans l'idée de garder de la vie par coup. Pourquoi je l'ai mis en bouton 1? Parce que en bouton 1, ça fait un peu style escape, très facile à accéder. Alors cri d'espoir, c'est plus pour transformer cette technique en genre de technique qu'on utilise quand on a peu de points de vie, pour que en activant la loi, déjà on récupère plus de vie par seconde. De vie par coup, et que ensuite les ennemis vont lâcher des petits globes de vie pour nous sauver. En utilitaire, j'ai mis blâme avec sur le champ. Donc ça, c'est quand vous êtes vraiment entouré d'ennemis, que vous savez pas où vous en sortir, vous mettez un coup de blâme, vous allez voir, ça balaye. En troisième utilitaire, j'ai mis charge de destrier avec triple galop. Alors au début, j'avais mis charge de destrier avec jouvence, vous pouvez l'utiliser. Mais il y a déjà loi de l'espoir qui est présente, et j'ai mis encore quelques passifs qui peuvent vraiment aider. Et enfin, en autre technique, j'ai mis couperet avec éclaircie. Alors c'est un peu dans l'idée de blâme, donc c'est-à-dire qu'on va faire de gros dégâts, sauf que couperet avec éclaircie va laisser une grosse AE qui va foudroyer les ennemis qui entrent dedans. Au niveau des passifs, ça n'a pas trop changé non plus. On a force des cieux, vous pouvez utiliser une arme à deux mains tout en utilisant un bouclier dans votre main gauche. C'est le passif de base pour templier. Inflexible, vous ne pouvez plus esquiver, mais vos sens de bokeh sont augmentés de 15%. Ça peut être très utile aussi si on a un bon bouclier. Alors, opulence, qui est une toute nouvelle compétence qu'on débloque au niveau 60 et qui pour moi est très sympathique. Donc, votre force augmente de 60 pour chaque gemme enchâssée dans votre équipement. Vous voyez là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 gemmes. Donc, vous voyez, je suis à 52 962 DPS. Et si je remplace par exemple opulence par renouveau, vous voyez que je suis à 47 000. Donc c'est quand même un bon petit boost de DPS. Alors si jamais vous n'avez pas trop de gemmes, que c'est pas votre trip, ou que simplement votre stuff n'a pas de chasse, je vous conseille soit de prendre renouveau. Donc chaque fois que vous bloquez une attaque, vous recevez 2477 points de vie. Ça c'est vraiment si avec toutes vos techniques ici, vous continuez de galérer. On a aussi Vierge de Fer. Mais alors dans ce cas-là, je remplacerai Loi de l'Espoir par galvanisation avec impédance. Oui, voilà, les attaquants subissent des dégâts d'épines accrus tant que la rune est active. Mais bon, c'est pas terrible. Mais sinon, moi, avant, j'utilisais indestructible. Et je compte peut-être l'utiliser en quatrième passif si je ne trouve rien d'intéressant. Mais donc, si franchement, vous n'avez pas de gemmes sur votre équipement, remplacez opulence par soit indestructible, soit renouveau. Alors maintenant, on va un peu aller... commencer l'acte 5, un peu pour vous montrer un peu comment il se débrouille le build. Alors vous voyez qu'en compagnon j'ai pris le templier, tout simplement parce qu'il utilise la même ressource que moi, donc je peux lui refiler mon vieux stuff pourri, et puis c'est un bon tank qui peut soigner, là aussi si j'ai des problèmes au niveau armure. Donc là je me suis un peu beaucoup bourré pour ce qui est armure, régène de vie, je crois même que j'en ai un peu trop. Mais bon, expiation plus coup de bouclier, c'est très utile sur les trash. Blâme, charge d'essayer et coup près, c'est un peu pour les mobs élites. Pour l'instant, c'est... Alors vous voyez que
Expiation, c'est une technique à peu près mid-distance, donc vous pouvez jouer ce deck un peu à distance, quoi. Mais vraiment un tout petit peu à distance. Ça, c'est pour garder un avantage sur les ennemis, c'est-à-dire les attaquer de loin, qui s'y attendent pas vraiment. Mais aussi pour fuir et quand même laisser des petits coups aux ennemis entre-temps. Alors vous voyez, j'utilise un peu le cheval pour vite me déplacer. Alors avec la nouvelle mise à jour, donc là, je crois qu'il s'agit de la 2.0.1. Le cheval, oula, ici. Donc le cheval ne fait plus 2 secondes, mais je crois il fait 1 seconde et demie, et donc la rune qui augmente la durée du sort, bien, elle ne fait plus 3 secondes, mais donc 2 secondes. Donc ça, c'est si jamais vous jouiez croisé et que vous trouvez que la charge de destrier est un peu plus courte, c'est normal, c'est parce que ça a été un peu nerfé. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi la charge du croisé, enfin la charge du destrier était très bien comme ça avant, mais bon, c'est pas à moi de juger. Donc au niveau du DPS, c'est un peu lent, je vous le conseille, je vous le conçois, mais pourtant je suis à 52 000, je trouve ça très correct. Faut pas oublier non plus qu'on est à haut level, donc les ennemis sont instinctivement un peu plus durs à tuer, ils frappent un peu plus fort, donc c'est notamment pour ça qu'on va prendre tous des bonus d'armure et tout le bordel. Donc on va un peu continuer. Ah ben merci, le cheval qui sert un peu à rien. Alors la charge de bouclier, pourquoi je la prends aussi? Parce que bah vous voyez, c'est un il se TP vers l'ennemi, enfin c'est pas charge de bouclier, c'est voilà, c'est coup de bouclier. Et donc voilà, au niveau du stuff, si vous avez vite besoin que je vous fasse un petit topo, j'ai une petite hache à deux mains. Bon alors moi depuis mon niveau 1 avec mon croisé, je suis toujours stuff avec des rubis marquis. Marquis, hein, pas marquis, je sais pas pourquoi ils ont traduit comme ça. Et donc je suis avec des rubis marquis que j'ai farmé donc sur mon chasseur de démons niveau 70. Bah ça c'est un gros boost de DPS, bas level ça se ressent. Et donc pour l'âme, j'ai pris une impériale, ouais je crois que c'est ça, c'est une impériale. Alors au début j'équipais une marquise, mais ça vaut toujours le coup de claquer quelques PO et quelques marquises pour faire une impériale, au moins pour votre arme. Parce que c'est l'arme va vraiment être votre plus grosse source de DPS. Et je crois la marquise elle fait plus voilà, elle fait plus 160 points de dégâts. Ici c'est que 190 points de dégâts. C'est déjà un très 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 gros boost de DPS. Donc avec le croisé, n'hésitez pas à bourrer les marquises et mettez bien une impériale. Ça coûte rien et vous allez voir votre DPS, ça va être beaucoup plus agréable. Après, pour les plus fortunés d'entre vous, vous pouvez même aller jusqu'à l'impérial sans défaut. C'est ce que j'ai fait sur l'arc de mon DH. Enfin, sur mon DH, c'est un peu plus normal d'avoir de commencer à se stuffer avec une impérial sans défaut. Mais vraiment, bas niveau, donc bourrer les marquises et à partir du niveau 30-40, n'hésitez franchement pas sur les impériales. Parce que c'est vraiment bueno, au moins sur l'arme. Ici il y a un petit mineur, est-ce qu'il nous vend des trucs? Ouais, je vais peut-être refaire le plein de potions de vie. Hop, 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 hop. Par contre j'ai pas trouvé beaucoup de stuff, ça me dérange un peu. Voilà, on va parler au petit Victor ici, hein. Tac, tac, tac. Ouais, que là on se débrouille plutôt bien. Je suis repassé en expert parce que le calvaire je tiens plus aussi bien qu'avant. Je sais pas si c'est le parce que le croisé a été nerf, enfin nerf. Il a un peu perdu en puissance au niveau de ses techniques. Même si des techniques comme par exemple je passe là, des techniques comme par exemple correction, elle a un peu été upée, donc c'est-à-dire qu'elle fait plus de dégâts de l'arme, je crois elle est passée à 400% des dégâts de l'arme. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais elle a vraiment bien été corrigée pour passer un peu plus en compétition parce qu'elle était pas trop utilisée. Après moi j'utilise plus trop correction parce que je trouve que ça fait pas beaucoup de dégâts, et expiation avec moisson est très utile à ce niveau. Après j'ai plus vraiment testé le calvaire avec mon nouveau stuff et les nouvelles compétences que j'ai décidé de prendre. Mais franchement, avec mon stuff actuel et mon petit build expert, ça passe vraiment easy chocolat. Alors, donc on va vite aller tuer le premier boss de l'acte 1, enfin premier boss, le premier midi boss on va dire, qui est dans la cathédrale de Zakharoum. Sorte de vous montrer un peu comment je me débrouille sur les rares, les élites, ainsi de suite. Et ensuite on va pouvoir finir cette vidéo. Là vous voyez, je viens de mettre Blâme, qui est vraiment une technique très puissante, hein. Alors normalement faut un petit temps de recharge, enfin pas un temps de recharge mais un temps d'incantation, voilà, de 3 secondes, histoire d'aspirer de l'énergie, de la rejeter,
J'ai mis la rune sur le champ, ouais, je crois que ça s'appelle comme ça, sur le champ. Tout simplement parce que comme ça on a une explosion immédiate et on ne doit pas attendre. C'est toujours dans cette optique d'utiliser une technique en dernier recours, même si elle n'a que 15 secondes de recharge, ça passe extrêmement vite. Même vous pouvez la bourriner à presque tous vos combats, donc là, hop, vous pouvez la bourriner presque tout le temps, hein, il n'y a pas de problème, genre là. Voilà, vous voyez, c'est une bonne technique qui one-shot bien les trash en expert. Ça fait très plaisir, alors j'imagine si vous devez jouer en normal ou en difficile, ce blâme avec sur le champ, il fait vraiment très très mal. Alors là, on va aussi mettre un petit coup près. Bah tiens, des élites, ça va faire plaisir. Donc vous voyez, ils se prennent des petits éclairs avec blâme. On va mettre le cheval, qui avec donc triple galop repousse les ennemis et leur met 400 des dégâts dans la gueule. Vous voyez que là c'est des renvois de dégâts qui mettent des orages. Je perds presque rien en fait. En fait, dans le cas où vous êtes dans des AoE, vu que le croisé sera un personnage essentiellement corps à corps, faut vraiment jouer avec un gros boost de vie. Donc dans le genre où vous êtes dans des AoE ou quoi, n'hésitez pas à bourriner expiation. Votre vie va presque pas descendre. Mais après, si vous aimez pas trop expiation, vous êtes vraiment dans le trip de la technique très 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 offensive. Vous pouvez remplacer la gemme présente sur votre arme, vous pouvez la remplacer par une améthyste qui va faire un vol de vie, un peu comme j'ai fait sur mon deck féticheur, pour ceux qui ont vu la vidéo. Voilà. Allez, ouvre-moi la petite porte de la cathédrale, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, on y va avec le cheval, hop. Et là, on commence à bourriner. Vous voyez, elle a déjà perdu plein de vie. Vite, un petit coup près, voilà, ça fait vraiment très très mal ce coup près. Hop. Je vous mets vite une loi de l'espoir. Donc vous voyez, les ennemis, il y a au moins... ouais, il y a trois globes de vie qui ont été largués. C'est vraiment très utile pour se sauver la vie. Le cheval, quand vous avez l'occasion, vous n'hésitez pas à vous tourner autour de vos ennemis pour leur faire le maximum de dégâts. Et bien sûr, vous restez avec votre expiation avec moisson. Allez, vite la quête auprès de Tyrael. Voilà. Le bouclier, non, pas super efficace. Non. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors vite, pour repasser, bah, on a l'expiation qui va surtout falloir utiliser dans les AoE pour pouvoir rester au corps à corps. Ça devient vraiment ce genre de technique obligatoire. Faut au moins avoir un très bon vol de vie, donc soit avec une améthyste marquise, soit expiation moisson, qui en plus fait une espèce de courant électrique entre les ennemis, un peu dans le trip de la... je sais plus comment elle s'appelle, de l'âme tonnerre, épée bénie du cherche-vent. Donc voilà, donc j'essaierai de vous faire une troisième partie du tuto, cette fois-ci avec un build beaucoup plus élaboré, c'est-à-dire un build de niveau 70. Et donc en attendant, bah, j'espère que vous portez bien, hein, voilà, pour l'histoire de vous souhaiter un peu le meilleur du monde. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, à vous abonner, à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, tchuss!